Pour les géologues, ces fractures banales à nos yeux sont des certitudes. Djibouti est à la limite des plaques africaines et arabes, selon la loi universelle de la tectonique des plaques qui porte les continents. Et ça bouge. Oh, c'est insignifiant pour l'homme, 2 à 3 cm par an. Mais l'Afrique remonte vers l'Europe. Et dans quelques millions d'années, elle aura dévoré une partie de l'Espagne et de l'Italie, rétrécissant la Méditerranée, créant une mer sinueuse. Un véritable continent sera né, là où existe actuellement l'Arabie, Djibouti, l'Afrique orientale. En fait, cette effervescence n'a jamais cessé. Il y a 7 à 8 millions d'années, des plissements, une dislocation volcanique intense, bouleversèrent le Moyen-Orient et tout l'Est de l'Afrique, créant le Grand Rift.